n'est pas une bénédiction, vous allez regarder Josué seulement et puis vous ressortez. Non. Le Seigneur me dit clairement que vous irez à la piscine de Bethesda. Vous disperez un peu. Voilà le sens biblique de la chose. Vous allez à la piscine de Bethesda. Josué vient s'arrêter pour remuer les cieux pour que l'ange descende dans l'eau. Seuls les hommes de foi reçoivent la guérison. Pas d'Ismaël. Les hommes de foi qui vont entrer en contact avec Ébès vont recevoir la guérison. Pour qui connaît? En temps, on a déjà prié, n'est-ce pas, au mausolée, et nous venons à Accra pour la bénédiction du Siloé. Toutes ces étapes-là, il ne faut pas manquer. Sous aucun prétexte, personne ne fera rien à ta place, c'est toi qui vas prier. Je vais dire au conseil d'administration, 20 minutes avant, tout le monde est dans la cour de l'église. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Vous allez recevoir, c'est-à-dire lui, il dit qu'il est le Père des Esprits. Ah bon, Fengue, qui est service? C'est pas ce que son éminence, Akmela, comme dit. Les larmes fermées, il va ouvrir les cieux, les esprits vont descendre sur vous. C'est toi qui vas demander ta bénédiction, qui vas demander ta grâce. Adasio. Donc tu ne vas pas à la piscine de Bethesda pour regarder les gens ressortir. Jésus dit non. Il va remuer le surnaturel. L'ange va descendre dans l'eau. Les hommes de foi, vous aurez votre guérison. Vous aurez le déblocage. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Il va débloquer. Si tu n'es pas un homme de foi, que tu es venu, il n'y a pas d'humilité en toi. C'est là que tu vas montrer que tu es fort. Tu vas prendre pour toi et puis tu vas aller au village pour mourir. Parce que, avec Josué, on fait quoi? On s'abaisse. Avec Josué, on s'humilie. Adasio. Adasio. Siloé. Josué. Mausolée. Josué. Maintenant, dans la cour de l'église, là, c'est gâté. C'est Josué. Adasio. Prends tes offrandes depuis Abidjan. Commence à prier dessus. C'est-à-dire, lorsqu'on va finir la bénédiction du Siloé, il ne faut pas dire, c'est quelle nouvelle doctrine on nous apporte. Celle ta bénédiction avec une offrande. Adasio. Celle ta bénédiction avec une offrande. Il ne faut pas dire, on a déposé déjà des offrandes, et puis bon, quand même les gens qui sont plus vieux que lui là, c'est-à-dire, ils sont là, Jacques, il ne fait pas une offrande pendant la bénédiction de Siloé. Lui, c'est un grand-père. L'asmétienne, c'est un père. Lui, petit, là, il dit, à la bénédiction de Siloé, il faut attraper l'offrande. Adasio. Adasio. Ne sois pas distrait. Va chercher ta bénédiction comme Anne. Agradio. Qui a compris ce que j'ai dit? Il faut dire Ismaël. Si tu as bien compris, à partir d'aujourd'hui, tu prépares tes offrandes. À partir d'aujourd'hui, tu te prépares quoi? Tes offrandes. Et puis tu dis à ton mari, il ne faut pas toucher à ça. Tu dis à ta femme, il ne faut pas toucher à ça. J'ai trois offrandes particulières que je vais déposer à Gradio. J'ai dit à Josué, cette génération que tu vois, ils n'ont pas vu tes œuvres. Je suis en train de prier pour vous. J'ai dit à Josué, cette génération que tu vois, ils n'ont pas vu tes yeux. Ils ont entendu dire, Josué, tu m'as libre, oh non, non, c'est Josué, tu m'as libre, oh non, non, j'ai dit à Ébès, comme dans l'Ancien Testament, cette génération qui doit entrer à Canaan, ils n'ont pas vu tes œufs. Tout ce qu'ils voient,
c'est dans avec la technologie, ils voient des pasteurs qui guérissent les gens. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Adasio. Soit révolté. Qu'est-ce qu'on va leur dire? C'est qu'ils ne les touchent pas et qu'ils repartent. Jésus, pour les toucher. Adasio. C'est la prière que je fais pour vous. Ismaël. Si tu es déjà, si tu es pas eux, en 62, tout ce que tu as guéri là, ils n'avaient pas forcément la foi. Mais par ta miséricorde, l'éternité a fait. C'est vrai ou bien c'est faux? Tous ceux qui sont venus là, ils connaissaient Josué, ils avaient foi. Par ta miséricorde, il y a une onction particulière sur ta vie. Josué, guéris ses enfants. Tout le monde du boulot, fais pour eux, ils vont se rapprocher de toi. Adasio. Est-ce que je suis en train de parler à des gens? Est-ce que je suis en train de parler à Jesco? Jesco dit on ne force pas. Jesco, c'est ça, non? Eh! Oh, le royaume des pieds, le royaume des cieux, là, c'est pour ceux qui sont violents. Ok, connaît. On va à Cagnon pour être violent. Cette année, c'est pour les violents. Au Siloé, on sera violent jusqu'à. Vous n'allez pas reconnaître le général. Adasio. Au mausolée, on est allé à l'affaire. Quand Victor a mis de l'eau sur, comment dirais-je, le tombeau de Jésus, le général ne voulait pas quitter là-bas. Moi, j'ai fait pour moi. Lui, il ne voulait pas quitter. C'est un petit. Non. On ne le connaît pas dans cette Côte d'Ivoire. Mais l'être qui poudouait. Hé, je suis venu te dire, sois humble. Sois humble. Dans la maison de Dieu, ce qui élève quelqu'un, c'est l'humilité. Sois humble. Le moi, ça ne va te porter nulle part ailleurs. Tu dois être comment? Dans la maison de Dieu, je ne vis pas dans ton travail, hein. Je ne vis pas au service. Même au service, il y a quelqu'un qui doit te nommer. Toi, tu es plus intelligent que lui. Tu as trop de diplômes que lui. Oui, c'est vrai, tu as trop de diplômes que lui. Mais lui, il a l'expérience et c'est lui qui va te nommer. Tu veux être comment? Tu veux être comment? Humble. Dans la maison de Dieu, on est comment? Humble. Un cœur trop rempli d'orgueil ne peut pas recevoir la bénédiction de Dieu. Voilà les nouvelles du siège que je vous donne. Prépare ta venue à Dieu. Adasio. J'ai dit de faire quoi? Prépare ta venue à Dieu. Je l'ai dit aujourd'hui. Vous annoncez la bonne nouvelle. Je l'ai dit aujourd'hui, vous annoncez ça à Niagon, vous annoncez ça à Pierre, à Claude, et puis on va se retrouver. Adasio. Pour qui connaît Dieu. Père, élève notre âme. Sous ce mine et personne en souhait. Vamos.
exhortation. Nous allons écouter une exhortation. Il faut me suivre. Il faut suivre l'exhortation que je vais donner à Dieu. C'est très important. Peuple de Dieu, Hosanna. Fils de David, roi d'Israël. Tu es un mot fidèle messianique, Hosanna. Ô fils de David, roi d'Israël. Hosanna. Ô fils de David, roi d'Israël. Tu es un mot. Notre texte se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43. Nous lirons du verset 18 au verset 20. Ésaïe 43, verset 18 à 20. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Que Josué bénisse sa parole, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Adassio. Adassio. Le verset 18 parle de ce qui est ancien. Pardon, écoute-moi attentivement. Le verset 18 parle de ce qui est ancien, de ce qui est passé. Ne regarde plus. Et le Seigneur dit, je vais faire un chemin dans le désert. Le Seigneur dit, je vais faire un chemin dans le désert. Et il a dit une chose assez importante encore. Je vais produire des fleuves dans le désert. Un chemin dans le désert. Des fleuves dans le désert. Un chemin dans le désert. Regardez un peu les dunes de sable. Regardez un peu les dunes de sable. Et Dieu dit, je vais faire un chemin. Si Dieu fait un chemin, Adassio, Adassio, le vent souffle et puis le chemin a disparu. Vrai ou faux? Et puis il crée des sources d'eau vive dans le désert. C'est-à-dire, Dieu va faire l'impossible. Dieu va faire ce qui est impossible. Adassio. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire ce qui est impossible? Voilà. Dieu va faire ce qui est impossible. Et il nous a dit, et par son Fils Jésus, tel que je suis, tel que tu es. Adassio. Et par son Fils Jésus, il nous a dit, tel que moi je suis, je suis. Tel que moi, Jésus, Dieu, je suis, tel que tu es. Cela veut dire quoi? Que nous tous, nous sommes capables de ressusciter des morts. Qui croit en ça? Il dit, ça, c'est quelle affaire qui nous envoie aujourd'hui. Je vous envoie la parole de Dieu. Jésus dit, tel que je suis, tel que vous êtes. S'il a ressuscité des morts, il a dit, si vous croyez en moi, vous allez faire des œuvres comment? Plus grandes. Donc, nous devons ressusciter des morts.
dis à ton voisin, tu vas ressusciter des morts. Tu vas multiplier des pains. Tu dois guérir des malades. C'est ta bouche qui dit ou bien c'est ton cœur qui dit? C'est ton cœur qui dit, Adasio, Adasio, on va voyager dans le monde de la foi. Donc, si Jésus a guéri des malades, nous devons guérir des malades. C'est vrai? Mais voilà la seule condition. Donne-toi tout entier. Voilà la seule condition. Donne-toi à l'œuvre tout entier, entièrement donne-toi à l'œuvre. Voilà la seule condition. Il a appelé Moïse pendant 40 jours et pendant 40 nuits, il est où? Sur la montagne dans la présence de Dieu. Donne-toi tout entier à l'œuvre. Lorsque Moïse descend, il appelle, monte. Moïse répare. Pour qui connaît Dieu. Ce que je suis en train de vous dire, c'est très important. C'est là que vient la délivrance. C'est là que vient la bénédiction. Donne-toi tout entier à Josué, à l'œuvre, au Seigneur Jésus. Pendant 40 jours, pendant 40 nuits, maintenant lorsqu'il descend de la montagne, qu'est-ce qu'on voit sur son visage? Son visage rayonne de la gloire de Dieu. Il descend, Dieu lui monte. Moïse apprend à élever son âme vers Dieu. Dis à ton voisin, élève toujours ton âme vers Dieu. Élève toujours ton âme vers Dieu. On va bien parler. Élève toujours ton âme vers Dieu. Élève toujours ton âme vers Dieu. Adasio. 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 Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 7, le verset 22. On nous dit de Moïse, il faut noter ça avec une ligne à la maison. On nous dit de Moïse qu'il était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Moïse était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Lorsqu'il était déjà chez son père, Pharaon, on dit qu'il était puissant en eux. Maintenant Dieu l'appelle, il dit non, cette affaire-là, tu sais que je ne peux pas. Et Dieu lui dit non, tu peux. Adasio. Adasio. Malgré les difficultés que tu vas rencontrer, donne-toi tout entier pour réussir. Malgré les difficultés, malgré le désert, donne-toi tout entier. Qui connaît Dieu Jésus. Pendant 40 jours, pendant 40 nuits, avant de commencer le ministère, il s'est éloigné dans un lieu secret. Dis à ton voisin 40 jours. 40 jours. Jour et nuit. Jour et nuit. Dans le jeûne. Dans la prière. Dans la prière. Tout entier. Quand il est sorti, c'est bon. Aucune maladie ne pouvait lui résister. Est-ce que tu as noté Jésus? Et chaque fois, il se retirait dans le lieu secret. C'est comme si, lorsqu'il finit de rendre le ministère, il est déchargé et il va se charger. Adasio. Généralement, il va sur le mont des Oliviers. Bravo. Le mont des. Voilà une autre montagne encore. Monte sur le mont des Oliviers. Pour qui connaît Josué, son lieu secret, vous le savez tous. Je vous donne la révélation. Je vous prends de Moïse.
Jésus et Josué. Adasio. 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 Quand vous n'aimez pas lire la Bible, moi, je télécharge sur vous tout ce qu'il y a pour que vous vous dormez en paix, mais c'est pas bon. Josué, jour et nuit, tous les jours, c'est pas bien, c'est beau. Tous les jours, le lundi, vient à Claude. Mardi, Bangoué. Mercredi, Sébille. Jeudi, Yago. Vendredi, Abaye. Samedi, la jeunesse. Dimanche, tout le monde. Comment dirais-je? Le jeudi nuit, et puis le mardi nuit, tous les jours. Tout entier. Dis à ton voisin, donne-toi tout entier. C'est ça votre problème. Parce que vous devez guérir des malades. Donne-toi tout entier. Et maintenant, il se retire souvent où? Sur la montagne. Dieu l'a fait. Adasio. 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 Montagne. La paix, la paix est à mon point et mes couleurs. Mon cocon sont séminaires, ni à mon main, mais je te relève, fenaillez, je vais. Je vous mènerai sur ma montagne sainte. Voilà ce que dit le cantique. Et vous allez vous réjouir dans la prière. C'est tout. Mon ami, la fille, la papa, est un moment, mon corps et mes couleurs. Mon coco, son séminaire. Mon âme, mes diables te relèvent et ayez tes oh, qui connaît? Yes. Voilà. Et avec ses disciples, les victoires à part, voilà. Ils se promènent dans la forêt, ils prient. Quand ils ont prié un jour ici, ils dorment. Le lendemain, ils vont jusqu'à. Et sur la route de Dabou, kilomètre 17, ils font un camp, ils prient, ils se lèvent, ils font le tour jusqu'à maintenant, samedi, dimanche, ils viennent à Tchouroum, ils viennent sur la montagne de la révélation. Dites-moi, Josué, c'est un paresseux? Non. Josué, c'est un paresseux? Non. Adasio. Adasio. Tu n'as pas répondu. Adasio. 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 Prends-toi tout entier. Pour réussir dans les déserts, les déserts que tu traverses, les difficultés que tu rencontres, il va tracer un chemin pour toi dans le désert. God will make a way. Il va tracer un chemin dans le désert pour toi. Adasio. Et il va créer des sources. Dans vivre dans le désert pour toi, seulement pour toi, tout entier. Adasio. Adasio. Il se lève, il prie. C'est ce qui me retient dans sa vie. Et je voudrais que ce soit, c'est là que tu le retiennes aussi. C'est pas un genre de karaoké, c'est pas un genre de conseil, c'est un genre de prière. C'est vrai. Il est. Choriste, chante, c'est vrai, mais retiens envie de prier. Quand les autres veulent parler de l'église, mais c'est lui, oh, si c'est danse là, il danse, hein, c'est vrai, c'est beau. Et puis quoi? Et puis il danse là, et puis après quoi? Donne-toi tout entier à la prière. Lis la parole de Dieu. On va dire oui, ils sont devenus maintenant évangéliques. C'est toi qui es sorcier. Oui. Quelqu'un qui prie, on dit prier sans cesse.
sorcellerie, toi-même tu es sorcier, mais tu ne sais pas. Adasio. Adasio. Qui connaît Dieu le Seigneur. Je souhaite envahir le surnaturel de sa voix dans la forêt comme au village. Il envahit le surnaturel de sa voix. Tu ne peux rien obtenir parce que tout est dans le surnaturel. Tout ce que Dieu a préparé pour toi, c'est dans le surnaturel. C'est dans le surnaturel que tu vas aller arracher pour l'amener dans le naturel. Tu n'es pas un homme qui se donne tout entier. Tu vas maudire les visionnaires. Tu vas maudire les prédicateurs. Tu vas maudire ce que tu ne dois pas maudire. Ton âme ne s'élève pas pour monter sur la montagne. Monte! Monte! Monte et arrache et descend. Donc il envahit le surnaturel de par sa prière. Nous avons reçu un témoignage une année des gens qui devraient venir à la fête. Adasio. Et on nous a fait comprendre, c'est vrai, que nous ne sommes pas les seuls à la fête. Il y a des gens qui viennent de très loin. Des femmes, Foula, Florian, des gens qui sont sur des chameaux et qui viennent à la fête. Moi, j'ai entendu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu ça aussi? Adasio. Des gens viennent. Pourquoi des gens viennent de loin? Des contrées lointaines. Parce que Josué parle au surnaturel. Et les gens écoutent sa voix dans le surnaturel. Et viennent vers lui. Adasio. Au qui connaît. Aïe que si. Roman. Et si Rebeke. Tita. Sire. Aïe que si. Roman. Et si Rebeke. Tita. Dans le sirène et sa mort Josué au grand Josué à mes seins pour sous les pieds rois et guérir et Syrie il met le blanc sa mort les grands et guérir et sauve la belle. Et Syrie, Josué le plat, sa mort, les gars et son anabé. Adasio. Adasio. Est-ce que c'est toi qui as inventé ces cantiques? Non. Donc, vous chantez comme ça. Vous chantez comme ça. S'ils sont entendus dans des contrées lointaines, la voix de Josué, et ils sont venus à lui, toi également ta voix, toi rentrer dans le surnaturel pour obtenir ce dont tu as besoin. Or, depuis des années, on t'a fait croire que non, toi tu peux dormir. Moi, je suis en train de te révéler que tu ne dois pas dormir. Entre ta pensée, et ma pensée, et c'est aussi ma pensée que tu vas voir. Adasio. 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 Voilà ce que nous refusons de faire. Prédicateur médiocre. Prédicateur médiocre. Visionnaire médiocre. Bravo. Je peux parler comme ça, non? Je suis votre chef. Prédicateur médiocre. Visionnaire médiocre. Retourne dans le lieu secret. Monte. 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 Je peux reprendre? Je peux reprendre? On dirait que les prédicateurs ne sont pas contents. Les visionnaires aussi ne sont pas contents. On
je vous connais. Je dis prédicateur médiocre. Visionnaire médiocre. Rentre dans le lieu secret. Rentre dans le lieu secret. Prédicateur étudie la Bible. Achète des livres chrétiens, lis. Toujours lis la Bible. Toujours lis la Bible. Forme-toi. Il faut te former. 40 jours de jeûne et de prière. Toi seul. Voilà. Et là, les gens sont en train de dire tchè, tchè. Là, ils ne sont pas prédicateurs. Oui, ils sont Adasio. On dirait que le message devient bizarre. Adasio. Lorsque j'ai fini la première formation, avant d'aller à la graduation, là où on va vous donner les diplômes, avec la toge et tout, on nous a demandé un jeûne de 21 jours pour aller prendre le diplôme. Il faut dire, espère un peu. À un certain moment, tu touches à la nourriture, toi-même tu es effrayé. Adasio. J'ai dit 21 jours de jeûne et de prière. Prédicateur médiocre. Visionnaire médiocre. Retourne dans le lieu secret. L'église entre dans une nouvelle saison. Pour Ismaël. Donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier. Sois excellent. Tu as beaucoup de sacrifices à faire. Adasio. Adasio. Est-ce que tu as répondu? J'ai dit Adasio. Adasio. Josué peut nous dire. Aucune chose si vous voulez. Ou bien il nous a enseigné ça, ou bien il ne nous a pas fait. Bon, on va chanter ensemble. Aucune chose si vous voulez est un sang. Josué Pognier, on ne peut pas étancher.
avec une colère, soit révolté dans la recherche de Dieu. Soit révolté dans la recherche de Dieu. Vous savez, il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Élisée, un grand prophète. Adasio. C'est un grand prophète. Adasio. C'est un grand prophète. Il s'appelle Élisée. Et cet homme, en réalité, il n'était pas fils de prophète. Les fils de prophète, ce sont ceux qui sont autour du prophète, qui vont à l'école et puis qui apprennent. Et demain, ils seront prophètes. Lui, il n'était pas fils de prophète, il n'était pas à l'école. Il n'était pas appelé à un prophète. C'était un cultivateur. Mais c'est la soif. C'est la colère. Parce que les fils des prophètes ont regardé leur prophète et puis ils ont commencé à se familiariser avec leur maître. Adasio. Ils ont commencé à se familiariser à leur maître et puis ils ont échoué. Et la colère est montée dans le cœur d'Élisée qui est allé auprès de cet homme. Je sais que tu es d'un tempérament fort, mais moi je viens à tes côtés pour te servir. Adasio. 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 Donc toi tout entier, la soif de mesurer, de réussir, tu ne peux pas produire de grands résultats si tu ne te mets pas en colère, si tu n'es pas révolté. Élisée a demandé la double portion de l'esprit de vie. Des résultats plus grands que les résultats d'Élie. Adasio. 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 Se vous vibre borna. Se vous vibre borna. Libre na meyoka. Et que tu es bon amour. Et que c'est au socra. Il y a un peu de Soulele eya, la belle hermoso, la belle hermoso, so se mine, se mine ya, la belle hermoso, la belle hermoso, so se mine, se mine ya. Ne change pas.
Toi, tu es allé à l'école de Marie Diro. Viens nous apprendre à danser. Adasio. 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 C'est toi qui dois prêcher les dimanches. Non, 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 non. Moi, non, non. Tu sais, je ne peux pas prêcher. J'ai un programme. Oh. Vous ne voyez pas ce que vous perdez. Quand vous refusez de vous mettre en contact avec l'autel, l'autel réclame la vie du sacrificateur. La vie, L-A-V-I-E. Ouais. L'autel réclame la vie du sacrificateur. Fais une alliance avec l'autel. Il ne va pas te laisser tomber. Il ne va pas te laisser tomber. Adasio. Je voudrais t'enseigner avant qu'on ait pris. Donne-toi tout entier. Évite, tout de suite, j'ai parlé de familiarité. Évite la familiarité avec ton chef. Mon président, est-ce que je suis en train de parler? Évite la familiarité avec ton Dieu. Dieu a rejeté les fils des prophètes. Il les a ignorés à cause de leur familiarité. Ils n'ont pas considéré l'onction qui se trouve sur la vie du Père. Du Père. Ils n'ont pas considéré la grâce qui se trouve sur la vie de Josué. Ils n'ont pas considéré trop de familiarité. Ils te rejettent. Adasio. 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 Oui. Trop de familiarité. Oui, c'est mon frère de quartier. C'est le fils de Akmel Meled Jacques. Et c'est le fils de Nyan Christine. Non, seulement on se connaît. Avant, on l'appelait qui connaît. Et maintenant, moi, je l'appelle Pétier, je m'en fous. Adasio. 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 Lui et moi, on a les mêmes limites à Chrome, même. Et puis nous sommes voisins. Frère, si tu le vois comme Pétier, tu n'entreras pas dans sa grâce. Vous allez rester là. Il va te faire rire jusqu'au soir de ta vie. Tu ne vas pas voir sa grâce. Je pensais que tu allais répondre Ismaël. Mais celui qui te louait les genoux par terre, et baisse. Il va voir sa grâce. Et qui connaît trop de familiarité. Trop de familiarité. Il prend une décision ici. Tu es habitant, tu prends une autre décision. Il te regarde. Trop de familiarité. Adasio. Adasio. Aaron. Oui, mais Moïse est mon petit frère. Il t'a donné des instructions. Tu dis, Moïse est mon petit frère. C'est mon petit frère. Et envoyez-moi les bijoux là. Ils m'ont envoyé des bijoux et ça a donné un faux d'or. Or, le chef t'a donné des instructions. Chef, c'est toi qui es chef, viens sur le peuple. Or, de familiarité. Bijoux a donné faux d'or. Un irresponsable, malheureusement responsable. Or, de familiarité. Adasio. Adasio. On dirait que cette parole ne vous plaît pas, hein? Adasio. Adasio. Myriam, sa grande sœur. Sa grande sœur s'appelle Myriam. Ils se sont mis les deux ensemble. Grand frère et petit frère. Et grand frère et puis grande sœur. Myriam et Aaron. Ils ont commencé à faire palabre à Moïse. Qui t'a dit de prendre cette femme couchite, Afrique du Nord? Adasio. 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 Adasio.
qui t'a pris de prendre cette femme couchée, toi qui es mon petit frère. Là, on t'a mis au monde là. On t'a mis dans la corbeille. Et puis tu roulais sur l'eau. Moi, je suis à toi, la fille de Pharaon. Je vais te donner à tête. Je te donner à tête. Toi, tu vas dire quoi sur moi? Ah! Tu ne respectes pas la grâce qui est sur sa vie. Tu ne respectes pas l'onction qui est sur sa vie. Tu lui présentes la familiarité. Tu vas échouer. Dis à ton frère, tu vas échouer. Est-ce que je peux continuer d'enseigner? Est-ce que je peux continuer d'enseigner? Pourquoi tu prends cette femme couchée? Tu as oublié que là, Dieu l'a élevé à un certain moment même avec Dieu. Avec Dieu. Tu lui parles comme ça, de cette façon. Donne-toi tout entier et humilie-toi. On ne te demande pas de faire des querelles dans la maison de Dieu. Notez cela. Donne-toi tout entier. On ne te demande pas de faire des querelles dans la maison de Dieu. Humilie-toi. Considère la grâce. Considère l'onction qui se trouve sur la vie de celui qui a été établi sur toi. Et humilie-toi. Adassio. Adassio. Nous allons conclure. Instrumentiste, est-ce que tu peux me conduire pour réveiller mon esprit pour faire la conclusion? Ou qui connaît? Alors donc, c'est une affaire de quoi? C'est une affaire de quoi? Donne-toi. Donne-toi. Moïse, monte. Moïse, monte. Moïse, monte. Jésus, monte. Monte. Josué, monte. Monte. Occupe le surnaturel avec ta voix. Commande au surnaturel ce qui doit arriver. Et cela va arriver. Prédicateur. C'est pourquoi je vous ai appelé premièrement. Prédicateur. Et visionnaire. Tu ne joues pas encore ton rôle. Mets-toi au travail. Entre dans le lieu secret. Nous sommes dans une nouvelle dimension. Entre dans le lieu secret. Tel que Josué est, tel que tu es. Tel que Josué est, tel que tu es. Il a dit, si vous croyez en moi, vous allez faire des œuvres plus grandes. Attention. Évite la familiarité avec Josué. C'est pas ton camarade. On l'appelle l'Esprit de Dieu. On l'appelle pas autre chose. Que tu crois ou que tu ne crois pas, nous on dit que l'Esprit est Dieu. C'est pas ton ami. Adassio. Je conclue. 2 Rois chapitre 3 verset 26 à 29. Deux rois, chapitre 3, verset 26 à 29. Dis à ton voisin, j'ai bien fait de venir aujourd'hui. Dis à ton voisin, j'ai bien fait d'être là aujourd'hui. Deux rois, chapitre 3, les versets 26 à 29. Il y a une guerre entre Moab et Israël. C'est là que je vais conclure. Il y a une guerre entre Moab et Israël. Moab était par le passé esclave. Dis esclave. Esclave. Pour dire esclave. Esclave. Moab était esclave. Et Moab a quitté, n'est-ce pas, l'esclavage. Maintenant, il y a eu un nouveau roi de Juda. Le nouveau roi de Juda veut recoloniser Moab. Veut amener Moab encore dans l'esclavage. Moab a dit, pas question, je vais me battre. Et la guerre a commencé.
commencé. Vous connaissez Israël. C'est un peuple qui a une alliance avec Dieu. Ils ont commencé à massacrer Moab. Ils ont commencé à massacrer Moab. Ils ont commencé à massacrer Moab. Le roi de Moab, le chef de Moab, le représentant de Dieu sur Moab, a voit déjà qu'ils vont retourner, n'est-ce pas, en esclavage. Il voit que l'armée est en train d'être exterminée. Il est à deux doigts d'aller à l'esclavage. Il dit pas question. Il a pris son fils premier-né. Il a ton voisin, fils premier-né. Fils premier-né. Il a mis sur l'autel, il a sacrifié. Le sang est versé. La guerre s'est arrêtée. Donne-toi tout en. S'il y a des places à l'intérieur, donnez-les. Maintenant, ceux qui sont au fond, vous venez, vous vous rapprochez de la fenêtre. Qui connaît Dieu seul. Surotis, conduis-moi. Adasio. 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 Josué MS libre. Chef de cœur, c'est bon? La voix est bonne? Chef de cœur qui dirigeait en force pas là. Est-ce que ma voix est bonne? L'idée l'eau a poussé. Yes. Rapprochez-vous un peu. Let a person dream, time yoga. Je m'en dis, je sais que tu ne connais pas le morceau, mais tu connais toujours qu'à moi. Oh, yes, lady. Let a person dream, time yoga. Je que nous et que je suis Israël et les Yahweh et nous pour souligner mes taillages et que nous et que je suis Josué MS libre libre pour yes ce moment de confession selon 1 Jean chapitre 1 le verset 9 au verset 10. Adasio, tu vas te rapprocher de ton Dieu et tu vas dire tout ce que tu as fait qui ne te glorifie pas. Vous avez noté 1 Jean, Jean chapitre 1 verset 9 à 10.
tu vas te confesser. Jean chapitre 1, versets 9 à 10. Tout ce que tu vas faire, c'est sur la base de la parole de Dieu. Jean chapitre 1, versets 9 à 10. Sur la base de cette parole, il n'y a personne qui soit impropre devant lui. Donc tu vas te confesser. Tu n'as pas besoin d'élever la voix. C'est une façon. C'est une prière entre toi et ton Dieu. Prie pour ce que tu as fait. Prie. Prie. Pour ce que tu as fait qui ne glorifie pas le Seigneur. Prie. On ne te demande pas de prier fort. Là, tu seras à l'aise. Demande au Seigneur Jésus de te laver avec ton sang précieux. Demande au Seigneur Jésus de te laver avec son sang précieux. Jésus te lave de toute iniquité. Donne-toi tout entier. Ne sois pas distrait. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi. Ne néglige pas cela.
Adasio. Adasio. Maintenant, tu vas demander à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit de venir prendre le moment, n'est-ce pas, de cette prière. Il aime maintenant la voix. Il aime maintenant la voix. Il aime sincèrement la voix. Il aime sincèrement la voix. Il aime sincèrement la voix. Ne t'éteins point, ne t'éteins point. Il ne faut pas t'éteindre. Demande à Dieu le Père. Demande à Dieu le Fils. Demande à Dieu le Saint-Esprit de prendre le contrôle. De prendre le contrôle. De prendre le contrôle de ce moment. Parle, 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 parle. Parle, parle, parle. Prie. Demande à Dieu le Père. Demande à Dieu le Fils. Demande à Dieu le Saint-Esprit d'être là et de prendre le contrôle. Ouvre la bouche. Ne t'éteins point, ouvre la bouche. Ne t'éteins point, ouvre la bouche. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ne t'éteins point, ouvre la bouche. Et pas. Ne t'éteins point, c'est Josué qui est le maître de cette œuvre. C'est Josué qui est le maître de cette œuvre. Viens toi-même, Josué. Viens toi-même, Josué. Viens toi-même, Josué. Viens toi-même. 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 Chant, 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 chant
Amen. Et nous soyons comme et charangan. Nous allons dire au Saint-Esprit de Dieu qui est le Père de tous les esprits qui sont sous sa domination et son contrôle, que des lieux célestes, il libère, il libère, il libère les esprits et que les esprits prennent possession de cette prière. Oh, Yambo, oh, je suis Yambo, je suis Yambo, sois connaît Dieu seul.
en train de fuir. Jacob était en train de fuir. Et il arrive ce jour-là. Il dit, tant que tu ne me bénis pas, moi aussi, je ne vais pas te laisser. Adasio. Adasio. Répète après moi. Chantez Esprit de Dieu. Chantez Esprit de Dieu. Parle bien. Chantez Esprit de Dieu. Chantez Esprit de Dieu. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham. Isaac. Isaac. De Jacob. De Jacob. Je suis venu à ta rencontre. 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 Visite-moi. 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 Illumine-moi. Illumine-moi. Tu me visites-moi. Visite-moi. Comme tu as visité. Comme tu as visité. Bartimée. Bartimée. Visite-moi. Visite-moi. Comme tu as visité. Comme tu as visité. Sachez. Sachez. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Mes pères. Mes pères. M'ont parlé de toi. Je suis venu à ta rencontre. Je suis venu à ta rencontre. Tu as rencontré Jacob. Tu as rencontré Jacob. Et Jacob a été béni. Tant que tu ne me bénis pas aujourd'hui. Je ne te lasse pas. Visite-moi. 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 Parle, prie, prie, prie. Continue de prier. Continue de prier. Donne-toi tout entier. Adasio.
Adasio. Ese maye flumba dine ya kine me minde se jake kasa eka me jima nye nyogo nye chanswe emo na ye chante le cantique, chante le cantique, chante le cantique. Qu'il se souvienne de toi. Josué, souviens-toi de tes enfants. Chante avec tout ton cœur. 2 et 4, le refrain. Maïe flouba, pimeya, qui n'aime mine, c'est ta bête à ça. Et comme tu m'as, je te recommande tes enfants. Jésus, Esprit de Dieu, Seigneur Jésus, je te recommande tes serviteurs. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Luther des cieux, tout esprit qui est sur ton bouc, sur ton contrôle, et touche la vie de chaque fidèle. 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 Libère. Libère. Libère tes enfants. Libère. Ils sont chargés et fatigués. Ils sont chargés et fatigués. Libère tes enfants. Libère tes enfants. Genèse 22, versets 10 à 13. Tu dois être déterminé. Tu dois être déterminé. Tu dois te révolter contre ta situation. Tu dois monter. Tu dois monter. Tu dois monter. Genèse 22, versets 10 à 13. Écoute encore. Genèse 22, versets 10 à 13. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: me voici. L'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen.
qui connaît. À ce niveau-là, on l'appelle Jéhovah Jiré. C'est celui qui pourvoit. C'est celui qui se pourvoit. Adasio. Tu as deux points de prière en même temps. Jéhovah Jiré ne dit pas Dieu, ne dit pas éternel. Il a plusieurs noms. Et selon ce dont tu as besoin, tu l'appelles par ce nom. Jéhovah Jiré, j'ai besoin encore d'une dose de foi, comme Abraham. Deuxièmement, donne-moi ce dont j'ai besoin. Pourvois à ma maison ce dont j'ai besoin. Parce que tu l'as fait avec Abraham. Et Abraham se retourne et voit un bélier. Jéhovah Jiré, mon commerce. Jéhovah Jiré, ma famille. Jéhovah Jiré, tu me donnes ce dont j'ai besoin. Adasio. Une dose de foi, un. Donne-moi ce dont j'ai besoin. Deux. Jéhovah Jiré, c'est toi qui te pourvois. Adasio. 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 Ne minimise pas la prière que nous sommes en train de faire. Est-ce que tu as noté Genèse 22, verset 10 à 13? Jéhovah Jiré. Je veux une dose de foi. Jéhovah Jiré. J'ai besoin de toi dans mes affaires. Jéhovah Jiré. J'ai besoin de toi dans ma scolarité. Jéhovah Jiré. J'ai besoin que tu m'élèves. Jéhovah Jiré. Adasio. Est-ce qu'on te comprend? Tu as noté Genèse 22, verset 10. Tu répètes après moi. Jéhovah Jiré. Jéhovah Jiré. Tu ne vas pas répéter. Jéhovah Jiré. Jéhovah Jiré. Jéhovah Jiré. Jéhovah Jiré. Tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es le Dieu qui se pourvoit. Tu es le Dieu qui se pourvoit. Augmente ma dose de foi. Ne t'étais point.